sona la campana que marca l'inici. La subsíndica Juan Zaulande, que presidirà aquesta sessió de Consell General, i el síndic general ja es desplacen cap a la sala, a l'hemicicle del Consell. Els deixem amb aquesta sessió. Excel·lentíssim senyor copríncep, molt il·lustre senyor cap de govern, molt il·lustre senyora subsíndica, podeu seure, sisplau. Molt il·lustres senyores i senyors consellers, molt il·lustres senyores i senyors ministres, molt il·lustres representants dels coprínceps, senyor president del Consell Superior de la Justícia, senyor president del Tribunal Constitucional, senyores i senyors cònsuls majors i menors, autoritats, senyor president del Senat, distingits parlamentaris de la República Francesa, senyores i senyors. És un honor per a mi donar-vos la benvinguda a la Casa de la Vall, a casa vostra, a la casa dels homes i les dones d'Andorra. Us agraïm que hagueu pogut trobar, enmig dels vostres molts compromisos, el moment per compartir amb nosaltres les vostres inquietuds i el vostre sentiment, i per saber escoltar, estem convençuts, els neguits i les il·lusions dels andorrans. Sentim a dir sovint, senyor copríncep, que no vivim una època de canvis, sinó quelcom de més gran, que vivim un canvi d'època. Els reptes són nombrosos, les veritats d'ahir tendeixen a esvair-se, els nous camins apareixen encara incerts. Els ideals alliberadors de la modernitat o la mateixa idea de progrés semblen a voltes posar-se en entredit. Així s'esdevé el món i també el vell continent, on l'ombra del populisme amenaça el somni europeu. Les valls d'Andorra no en són l'excepció. És clar que cada temps planteja els seus desafiaments i la manera en què la història en jutjarà, més enllà de la tirania del present, dependrà, sens dubte, del nostre compromís i de la nostra capacitat d'abordar-los amb encert i coratge. Benvingut, benvolgut, senyor copríncep. Andorra viu un procés de transformació i d'obertura iniciat fa més de 20 anys. Perquè la nova Andorra que s'obre al món sense renunciar a una identitat forjada durant més de 7 segles, despunta ja amb la Constitució de 1993. La feina d'actualització política, econòmica i social no acaba en aquell moment, ben al contrari. Podríem afirmar, de fet, que molts dels canvis abordats en aquesta legislatura es troben implícits en aquell text fundacional, si bé requerien d'un temps per ser degudament païts, políticament assumits i avui, conseqüentment, aprovats. Excel·lència, la història d'Andorra és la centenària història dels nostres avantpassats i de llurs coprínceps, de l'Andorra de l'esforç i el sacrifici, de les arrels i la tradició, d'una Andorra de població escassa que vivia en condicions de gran duresa i noble austeritat. La història d'Andorra és també la història de l'eclosió econòmica i demogràfica, de l'Andorra dels pioners que al llarg del segle XX van fer possible un creixement extraordinari, de l'Andorra que esdevé refugi i bressol d'oportunitats. És llavors quan el benestar augmenta, quan la població es multiplica, quan el lligam ancestral amb la terra es veu completat amb les aportacions diverses dels vinguts fronteres enllà. Som hereus d'aquesta Andorra que mudà la seva pell, de l'Andorra que, vista des de fora, era per alguns el país de xauxa on tot semblava fàcil, el país on potser ens vàrem acomodar en excés sense valorar adequadament l'excepcionalitat del que disposàvem. Comencem ara una nova etapa. Forçats per la crisi a la reinvenció, avui és el nostre deure de bastir els fonaments d'un futur pròsper mitjançant l'obertura i la projecció al món, perquè l'Andorra a venir ha de ser l'Andorra del talent, l'Andorra del mèrit i l'excel·lència, l'Andorra de la qualitat democràtica, l'Andorra del benestar i la sostenibilitat. Benvolgut, senyor copríncep. Andorra ha estat sempre país de diplomàcia i equilibri. Des de la signatura del primer pariatge, el 8 de setembre de 1278, els andorrans hem fet d'aquest equilibri un dels nostres trets distintius.
absent el recurs a la força, coneixedors que els països petits han d'extremar la prudència per assegurar llur continuïtat, els andorrans hem sabut fer prova de sentit comú, d'autocontenció i de voluntària renúncia. Ens correspon ara, com li correspon a cada nova generació, de refer els nous equilibris, de renovar el pacte social. Ens toca de resoldre de manera satisfactòria l'equació entre la voluntat instantània de l'opinió pública i la necessitat de mantenir un rumb que precisa de sacrificis, entre l'imperi del que passa i l'arrelament en la història, entre l'interès individual i l'interès general, en definitiva, que és quelcom més i més important que la suma dels interessos particulars. També, i és bo de no oblidar-ho, entre la facilitat populista i la democràcia imperfecta, sempre susceptible de millora. I sovint no és fàcil. La política diària no és lloc pels herois. És l'art del diàleg i el pacte, del compromís, de la responsabilitat, de la satisfacció incompleta, del possible, de la matisada gamma dels grisos. Difícilment la benaurada i avorrida normalitat democràtica podrà mai emular el divertiment narcisista o l'estètica rebel. I malgrat tot, benvinguda sigui la imprescindible política. Vull confiar que un dia la perspectiva històrica substituirà l'hipercriticisme de l'immediat per poder valorar la ingent tasca de transformació política, econòmica i social que en l'Andorra d'avui, uns i altres, tots plegats, cadascú des de la seva particular visió de les coses, estem compromesos a endegar. Benvolgut, senyor copríncep. Els andorrans presumim dels nostres valors centenaris, de la nostra singularitat, de la nostra dignitat, en definitiva. Si avui ens podem obrir al món sense por de ser doblegats pel vent del desconcert, és perquè tenim unes arrels profundes que ens mantenen dempeus. I les arrels són també les nostres institucions i llur estabilitat. És per això que en aquesta tarda del mes de juny us agraïm ben sincerament la vostra visita. Excel·lentíssim senyor, de la mateixa manera que sabem que podem comptar amb el vostre suport, sapigueu que Andorra, humilment, es compromet a correspondre-us. I ho farem a la manera de la gent de muntanya, amb generositat i entrega a l'acció del dia a dia, perquè, com deia encertadament Albert Camus, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Moltes gràcies. Monsieur le syndic général, Madame la vice-syndic, Monsieur le chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les conseillers généraux, je suis sensible à l'accueil que vous me réservez, comme coprince et comme président de la République française. Je salue les belles paroles que vous avez prononcées, Monsieur le syndic général, sur la responsabilité politique, où que ce soit, à quelque niveau que ce soit. La décision est toujours difficile à prendre. Elle est exigeante. Elle ne recueille pas de prime abord l'adhésion, mais elle fonde un engagement. Et elle permet, au terme d'un mandat, d'être fier de ce qui a été fait pour le pays, quelle qu'en soit la taille que l'on sert. C'est vrai qu'il y a partout, et même ici, toujours la tentation de l'égoïsme, du repli. La peur saisit tous les peuples, même ceux qui sont, comme en Andorre, les plus aguerris. Personne n'est protégé du monde, même derrière des hautes montagnes. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut faire des choix. Et vous les avez faits.
Cette visite, nous en avions convenu avec monsieur le chef du gouvernement, avec vous, lors de notre première rencontre. J'avais pris cet engagement parce que c'est celui que tous mes prédécesseurs avaient également honoré et qu'il m'importait de faire dans un temps raisonnable, 2 ans. J'aurais pu venir plus tôt, j'aurais pu venir plus tard, j'aurais pu rester peu. Je vais prendre le temps. Et cette visite, je l'accomplis parce que j'occupe cette fonction, cette charge de coprince, celle que votre Constitution confie au président de la République française. Cette fonction, ce mandat, est une forme d'héritage de l'histoire. Tout à l'heure, il a été rappelé que c'était le comte de Foix. Je ne veux pas me mettre dans cette lignée, je suis dans la République. Mais c'est dire si cette relation est profonde et ancienne. Mais surtout, la fonction que j'occupe, par la Constitution de 1993, marque une confiance, celle que vous accordez à votre voisin, la France. Et elle illustre cette responsabilité, l'une des dimensions de l'identité andorrane que vous avez évoquée, ce mélange de fidélité, de tradition et en même temps de modernité et de fierté. J'ai conscience qu'ici, je suis dans une maison, la maison des Valais, qui est le siège d'un des plus anciens parlements d'Europe. Ce qui prouve qu'on peut être peu nombreux et très démocratique. Et que vous avez ici le poids de l'histoire qui vous rappelle, là encore, les exigences de la mutation et de la réforme. Depuis 1419 et la constitution d'un Conseil de la Terre, jusqu'au Conseil général que vous formez, les Andorrans ont toujours voulu être maîtres de leur destin. Et depuis des siècles, ils se réunissent ici pour régler les affaires de la principauté. C'est ici que s'est décidée la Nova Reforma de 1866, qu'a été votée l'institution du suffrage universel 1933. Et que votre constitution a été adoptée en 1993. François Mitterrand était à l'époque votre coprince et il avait accompagné ce processus. Il l'avait favorisé et il l'avait consacré ensuite en venant ici. La Maison des Valais a donc une longévité exceptionnelle, même si vous avez décidé de faire un nouveau siège qui ressemble au précédent, mais en y apportant, c'est votre originalité, toujours cette modernité alliée à la fidélité. Je viens donc inaugurer le nouveau siège du Conseil général, plus vaste, plus fonctionnel, j'imagine avec une réfrigération qui permet d'être plus à l'aise pour les débats, mais vous avez attendu 3 ans et je veux ici vous remercier pour votre patience parce que vous souhaitiez que les coprinces puissent être là et donnent une dimension, je n'ose pas dire historique, mais symbolique à cette belle inauguration qui consacre aussi une très belle réalisation architecturale et je veux saluer ici ceux qui en ont été à l'initiative et à l'œuvre. Je ne suis pas venu seul, je suis venu aussi avec des élus français proches et le président du Sénat qui lui-même est votre plus proche voisin. Mais je reviens à votre démocratie. Elle est à bien des égards exemplaire. La parité que je constate, elle y est effective, le renouvellement des générations, l'ouverture à toute la société et également votre décision d'associer les citoyens aux travaux du Conseil général. Je n'ose pas dire que la démocratie participative a été inventée en Andorre, mais elle y a fait ses preuves. Je rappelais la Constitution de 1993,
Parce qu'à ce moment-là, vous pouviez décider d'organiser vos institutions avec la volonté de vous émanciper des coprinces. Et vous avez décidé de les préserver. Parce que c'était pour vous une façon non seulement d'honorer l'histoire, mais également de prendre votre place pleinement dans le concert des nations. Et je m'engage donc à exercer pleinement ce que je fais depuis 2 ans, la responsabilité qui m'est confiée. Je le fais conjointement avec le coprince épiscopal et avec le souci de ne pas interférer dans le fonctionnement de la démocratie andorrane, qui d'ailleurs ne me le demande jamais, ce qui est bon signe. Cette constitution vous a permis de mettre en place un état de droit où les libertés fondamentales sont garanties par le tribunal constitutionnel, j'ai salué son président, où le Conseil supérieur de la justice, j'ai également reconnu son responsable, veille au bon fonctionnement et à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et où la démocratie locale est vivante, notamment dans les paroisses que j'aurai l'occasion de visiter. Les lois de la majorité et de l'opposition existent comme partout, même s'il faut toujours veiller à chercher les consensus quand ils existent, les majorités d'idées, et qu'il y a toujours nécessité à pouvoir bien distinguer les idées qui animent les élus, et en même temps de faire les gestes qui permettent à un moment de réunir. Le débat politique y est libre, particulièrement libre ici, et je m'en félicite. Votre Constitution a aussi permis à la principauté d'entrer aux Nations Unies. Et dans les relations internationales, Andorre se fait entendre parce que vous rappelez, comme la France, les principes fondamentaux. Et lorsque je reçois comme coprince les lettres de créance d'ambassadeurs qui représentent leurs États ici dans la principauté, je rappelle toujours ce qu'est votre rôle international. L'Andorre a démontré, lorsqu'elle a présidé le comité des ministres du Conseil de l'Europe, entre novembre 2012 et mai 2013, combien elle était attachée à la liberté, aux droits de l'homme, à la dignité humaine. De la même manière, je sais combien vous êtes engagé pour la diffusion des savoirs, pour la connaissance, pour l'éducation. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous participez activement au programme de l'UNESCO pour l'éducation pour tous. Et vous avez compris que la modernisation politique devait s'accompagner de la modernisation économique et qu'il n'y avait pas de démocratie s'il n'y avait pas aussi d'ouverture et de règles qui permettaient à votre pays d'être pleinement en Europe et dans le monde. Vous avez été touché par la crise. D'ailleurs, comment auriez-vous fait pour y échapper ? Entre l'Espagne qui connaissait la récession et la France qui n'avait pas la croissance qui était espérée. Vous en avez forcément subi les conséquences. Et vous auriez pu avoir un réflexe qui existe partout, qui est de se protéger, de se calfeutrer, de se rétracter, de se refermer. Et il y avait sans doute une aspiration dans la population. Il y en a toujours qui pensent que l'on peut, en faisant gros dos, laisser passer les vents et qu'on peut s'exonérer de ses responsabilités. Cette voie, je vous le dis, aurait été sans issue. Elle ne vous aurait protégé de rien. Elle vous aurait isolé. Vous auriez été suspecté, d'abord comme principauté, avec des règles particulières. On vous aurait fait le reproche d'abriter je ne sais quelle activité. Vous avez donc fait le choix de vous ouvrir, c'est-à-dire de vous engager depuis plusieurs années dans un vaste mouvement de réforme qui n'est pas achevé, car aucune réforme n'est la dernière. D'ailleurs, quand des gouvernants disent que c'est la dernière réforme, il faut se méfier. Ça en annonce une prochaine. Mais il n'y a aucune réforme qui va déterminer l'avenir par elle-même. C'est un mouvement, un processus.
qui fait que nous avançons et que nous faisons à chaque fois des choix qui doivent être, comme vous l'avez rappelé, monsieur le syndic général, ceux de l'intérêt général. Alors il faut vaincre le scepticisme, la peur, parfois le corporatisme. Ça existe partout. Ce n'est inventé nulle part. C'est produit avec le comportement des hommes et des marchands qui, à juste raison, pensent toujours à ce qu'ils ont à faire. Et c'est d'ailleurs leur première responsabilité. Alors, nous devons toujours réformer. Vous avez un agenda qui est particulièrement ambitieux. Vous avez pu surmonter vos divergences et vous avez introduit un impôt sur le revenu. C'est ce que vous venez de décider, et à une large majorité. Vous avez également eu le souci, comme nous l'avons en France, de gérer avec sérieux et équilibre les finances publiques de l'État andorran. Et ce sérieux est reconnu par toutes les institutions internationales et place l'Andorre dans une position favorable, parce que c'est ça le but, de pouvoir être dans la reprise qui s'annonce de l'économie européenne. Vous avez compris que la transparence des transactions, l'équité fiscale, la supervision des activités financières étaient des objectifs incontournables pour la principauté. Vous avez donc, depuis 2009, généralisé la TVA, introduit l'imposition directe sur les bénéfices des sociétés, sur les revenus des non-résidents et maintenant des résidents. J'imagine que ça n'a pas été commode et facile. Demander de l'impôt ne rend jamais populaire, nulle part. Ne pensez pas qu'il y a une spécificité andorrane. C'est vrai partout. Mais il ne s'agit pas d'augmenter des impôts. Il s'agit de permettre que l'impôt soit général et clair et connu de tous. Et ce qui vous a permis de négocier de nombreux accords permettant l'échange d'informations en matière fiscale. 23 conventions ont été signées, dont une avec la France en 2010. Vous avez pu ainsi signer la convention de coopération et d'assistance mutuelle en matière fiscale de l'OCDE, c'était l'année dernière, et ça c'est une puissante reconnaissance de ce que vous avez fait en matière de normalisation fiscale. Vous avez ensuite signé des accords de non-imposition, non-double imposition, et notamment avec la France, et vous savez que nous avons signé cet accord en avril 2013, et il a été présenté au Conseil des ministres, j'y ai veillé, hier. Vous avez également levé les restrictions sur les investissements étrangers en Andorre. Bref, c'est toute l'économie de la principauté qui se trouve en mutation. Est-ce que vous avez perdu votre identité faisant ces réformes? Non. Pas simplement parce que nous sommes dans ce décor exceptionnel. Je parle de votre géographie. Pas simplement parce que nous sommes ici dans un lieu chargé d'histoire. Pas simplement parce qu'il y a des traditions. Non, vous avez su préserver ce qu'étaient, je l'évoquais, les racines du peuple andorran et en même temps ce qui devait faire monter les arbres, c'est-à-dire toujours essayer de nous élever. Les andorrans savent bien que depuis un siècle, et il n'y a pas que les andorrans qui le pensent, c'est de l'ouverture que vient le progrès. C'est elle qui vous a permis de transformer un pays agraire en une économie de services et de services particulièrement brillants. Et c'est dans cet esprit que vous abordez vos relations avec l'Union européenne. Vous avez négocié une union douanière avec la communauté européenne qui a été complétée par un accord sur la fiscalité de l'épargne. Ça, c'était nécessaire. C'était même la condition. Et il y a un accord monétaire qui vous permet de frapper des euros depuis l'année dernière. Donc l'euro circule. Cette relation doit se prolonger. C'est votre volonté. Et donc, c'est la mienne. C'est, je pense, la logique de votre situation géographique. Vous êtes pleinement en Europe. Et de cette logique des échanges, puisque la quasi-totalité de vos transactions se font avec l'Union européenne. Un accord d'association
est en cours de discussion. Et la France soutiendra vos efforts et sera avec vous plus qu'un partenaire, une alliée. Monsieur le syndic général, monsieur le chef du gouvernement, mesdames et messieurs les conseillers, vous êtes les héritiers d'une longue histoire, 7 siècles. Vous représentez le peuple andorran que je rencontre aujourd'hui, dont on sait combien il est attaché à son indépendance et qui a su construire une démocratie originale et exemplaire. Vous avez fait le choix, depuis longtemps, renouvelé en 1993, et que ma présence ici confirme, d'une relation particulière avec la République française. C'est une relation de confiance et c'est une relation d'amitié. C'est une relation indestructible. Et je suis sûr que nous pourrons continuer à cheminer ensemble. Et la France vous accompagnera autant qu'il sera possible en Europe et dans le monde. Comme non pas une protectrice, vous n'avez pas besoin de cela, mais tout simplement comme une amie. Et je vous confirme donc que le soutien, l'attention du président de la République et donc de votre coprince, ce soutien et cette attention vous sont pour toujours acquis. Je suis donc heureux d'être ici parmi vous, j'allais dire chez moi, ici en Andorre. Merci. Prensa francesa que ha dit l'obertura econòmica d'Andorra i ha dit clarament que recolzarà Andorra en l'acord d'associació que estan a punt d'iniciar amb la Unió Europea. També ha parlat dels grans avenços que ha fet Andorra en matèria, com dèiem, d'obertura econòmica, amb l'aprovació de l'impost sobre la renda de les persones físiques, tots els acords d'intercanvi d'informació que s'han signat, i ha parlat d'aquests avenços, d'aquest passat d'Andorra, d'aquest futur d'Andorra, i ha destacat també un repàs sobre la història del nostre país i sobre les relacions entre França i Andorra. Dir també que ha esmentat precisament aquest acord que va prendre el Consell de Ministres francès ahir mateix de poder passar a la Cambra Legislativa francesa la ratificació d'aquest conveni per evitar la doble imposició entre França i Andorra. Veiem ara com surten de Casa de la Vall i dir també que es dirigeixen cap al comú d'Andorra la Vella i es passejaran pel casc antic.